starving. Bonjour et bienvenue. Ah mince, c'est vrai qu'on a plus d'eau. Mince alors. Ah tiens, celui-là il était pas. C'est vrai que j'avais oublié ce détail. On n'a pas d'eau. Moi qui voulais aller. Oh mon dieu, on voit rien aussi. Où est-ce qu'on est? Ok. Ah, on va se dé. Ah, mais je suis accroupi. Ok, c'est pour ça que je te déplace très lentement. Ok. Donc, on est léger, on a 15 bois, il nous en faut un peu. On va le proposer ça. C'était tout. Ok. On va se déplacer un peu, on va se balader un peu, on va récupérer du bois. Et on va faire de l'eau, s'il nous faut de l'eau. Il nous faut de l'eau, à tout prix. Et à... C'est quoi ça? Ah putain, c'est bas. J'ai vu un truc noir bouger bas. Je pense que c'est un loup. Je pense que c'était un loup. Non. J'arrive pas à distinguer. Je sais pas. Je crois que c'est un loup. Je suis pas sûr. Je sais pas. Bon, du coup, il fait pas très froid. Donc, on peut peut-être se... voir un peu. Ah, le problème c'est qu'on n'a pas d'eau. Oh non, c'est bête. On va se déplacer. Parce que je voudrais faire de l'eau avant qu'on parte. Mais au final, on peut peut-être se balader un peu. Là, on a de... encore des thés à la limite. Donc ça va, on peut se débrouiller. Et vu qu'il fait pas froid, autant se bouger un peu les fesses. Et se balader. Là par contre, il y a un loup en face. Par contre, ça c'est un loup. Ah, vivement qu'on ait l'arc hein, quand même. Vivement qu'on ait l'arc. Parce que j'avoue que c'est un peu un problème. Pas pouvoir aller là-bas du coup, pas encore. On peut peut-être aller à celle-là. Alors on va peut-être d'abord faire les maisons. Enfin quoi que non, il fait pas jour en fait. Là on arrive à peine à distinguer déjà à l'extérieur. Alors à l'intérieur, je vous en parle même pas. Mais ouais, donc l'optique c'était de se balader un peu. Je sais pas si on va avoir le temps de faire le barrage Carter. Mais en tout cas, on va essayer. Alors ça... Regarde s'il n'y a pas autre chose. Soupe, je vois rien, c'est tout sombre. Waouh, des pierres. Ah oui, on va pouvoir pêcher aussi, j'avais complètement oublié ce détail. J'avais complètement oublié de ce détail. On peut pêcher. On peut pêcher. Faut que je me rappelle où on peut trouver des bois là pour faire des flèches et des arcs et tout ça. Après, on en a récupéré. Hein. On en a pris 1000 tonnes. Donc ça va. Mais j'avoue qu'en avoir un peu en avant, ça serait pas mal. Surtout qu'il nous faut aussi des boyaux. Donc faudrait trouver aussi un endroit avec des lapins. Enfin bref, on a beaucoup de choses à faire. On a pas mal de choses à faire. Je crois qu'il y a une grotte là-bas, non? Je me rappelle plus. C'est un peu plus loin. Je sais plus si s'il y a une grotte là ou plus là-bas. Bien nourri. Expiré, parce qu'on est à zéro. Pas grave, comme j'ai dit. Pour le moment, on n'a pas de... On n'a pas vraiment une grande réserve de nourriture. Je vais voir un peu l'intérieur. Ça va être une catastrophe.
Si c'est une catastrophe, on ressort. Ouais, non, c'est une catastrophe. Je vais pas craquer une allumette pour ça. Oh, c'est quoi ça? Cool. Bois de chauffage. Hein. C'est un loup qui a eu peur? On dirait un loup qui a combattu. Marrant ça. Ok, très bien. S'il vous plaît. Un peu de lumière, s'il vous plaît. Par contre, ouais, pour l'eau, on va devoir faire un feu genre rapide. Hein. On va pas devoir attendre longtemps. Hein. Et puis si on fait un feu, il faut qu'on fasse durer longtemps. Pour 45 minutes. Il va faire jour. Tada! Waouh, d'accord, on voit strictement rien. C'est normal que... Vous voyez rien comme ça? Ah, moi, c'est un peu mieux. C'est un tout petit peu mieux. Caisse, il y a quoi dedans? Il y a un balai, je vois pas grand chose. Ah, ça, accélérant, ça c'est bien. Mon dieu, j'ai du mal à distinguer les objets. Catastrophe. Boîte. Oui, parce que si on. Le mieux pour. Pour nous, parce que les allumettes, ça court pas les rues. Et enfin, je vais être honnête, je suis jamais à tomber. Je suis. Ouh la vache, on va recommencer cette phrase. Je suis jamais tombé à court d'allumettes dans mes parties en intrus. Jamais. Une fois qu'on en trouve, normalement, ça va. Après, on continue à avancer tout ça. En gros, tant qu'on continue à explorer, on reste pas sur place. Honnêtement, on devrait pas avoir de problème. J'en ai toujours. Genre laissé à plusieurs endroits différents et tout ça. Alors le problème dans ces... je sais pas, le problème dans ces cabanes, c'est qu'il n'y a pas de toilette du coup. Parce que c'est des petites cabanes pour rester un petit moment quoi. Et du coup, on peut pas récupérer de l'eau. C'est embêtant ça. Donc ouais, on est un peu obligé de faire du feu. Merde, j'ai regardé la poubelle à gauche. Attendez. Ouais, ok. Et puis après, genre manger des choses qui peuvent donner de l'eau aussi, ou alors genre les sardines, les trucs comme ça, c'est un peu du gâchis en fait. C'est même beaucoup de gâchis. Du coup, on va peut-être rentrer et faire du feu, de l'eau. Et après, on repart après. Ok, très bien. Man, I could use a drink. Je sais, moi aussi. Ah non, enfin, moi je parle pas de l'eau. Hein. Moi je parle d'alcool. On a tout pris, ok, let's go, on se casse. Moi, je parle d'alcool. Ok, allez, on se casse. Alors, on va faire de l'eau... pardon, du feu. Si on fait du feu à l'extérieur, ça peut être dangereux. Le mieux, ce serait à l'extérieur. Ou alors, on fait du feu à l'intérieur, mais on sort. On sort pour éviter de rester à l'intérieur, en fait. Trop à l'intérieur, vous voyez. On peut faire ça.
Ah non. Oh non. Ah mon dieu, ça va être super avec le loup en plus. Souvent je me baisse pour récupérer les choses. Comme ça on a moins de chances de se faire voir. Bon, si on reste à l'abri du vent, il fait pas très froid, mais bon. Par contre, ils ont vraiment baissé... baisser la voix du personnage. On l'entend quasiment pas. Ils ont fait des changements, honnêtement. Super bizarre. Ils ont touché des trucs qu'il fallait pas pendant la mise à jour. Genre, si c'est pas cassé, essaye pas de le fixer, tu vois. Moi, je suis plutôt comme ça, tu vois. Et, tu vois. Et, Interland, non. Non, non, non. Interland, ils aiment bien toucher à tout. Apparemment. Et après, une chose... j'arrive à voir en fait si on est, on va dire, entre parenthèses, en avance par rapport à notre équipement et par rapport à ce qu'on fait. Genre là, on peut rester à l'extérieur alors qu'il fait du vent. Alors qu'on a du vent et tout. Il fait pas très froid. Donc honnêtement, on se débrouille très bien niveau rapidité. Le plus chiant, c'est de laisser les pots en fait sécher, des bois séchés. Etc, etc. Bon, bah du coup, on peut pas faire de feu à l'extérieur avec ce vent. Alors, très bien. Les allumettes, j'ai que des vieilles allumettes. Hein. Non, bon. Hop. Je sais pas le tir. On va faire du feu en haut, par contre. This will come in handy. C'est 2 heures. Est-ce qu'elle peut durer? Elle peut tenir 2 heures sans boire. Je sais pas si elle peut tenir 2 heures sans boire. Ah! Commence pas. Plus c'est embêtant parce que le jeu de base, il faudrait des DLC pour... pas des DLC, mais des mods pour changer ça. Le jeu de base va toujours mettre aussi les par défaut les allumettes, donc c'est dangereux. Donc allez pas vite en fait, quand vous faites ça. Allez pas vite. Bon, on va faire ça. On va voir si on a des trucs à faire. Oh yes. Comme ça on a un peu d'eau et on peut boire directement. Voilà. Maintenant, 2 heures. Nickel. Et voilà. On est très bien. Mais il nous faut plus de bois. Alors le bois de récupération, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on le garde pour faire des collets? Je sais pas trop.
Après, on a pas mal de bois à l'intérieur du bâtiment, hein, qu'on peut casser et tout ça. Donc, c'est 3 heures. Ok, nickel. On va ressortir, essayer de trouver du bois. J'espère que c'était pas un loup, hein, qu'on a vu. J'espère vraiment que c'était pas un loup. On va voir. Avec ce vent, c'est chiant. Ah, c'est pas un loup. Très bien. On peut lui jeter des pierres, on l'assomme. Pas grand chose. Pas grand chose. Il y a des bois en fait qu'on pourrait couper genre à la scie. Mais bon, c'est plus d'une heure à chaque fois pour rester à l'extérieur. Donc si le vent s'était pas levé, honnêtement, c'était nickel. Je serais resté à couper à scier du bois plutôt. Mais là, non, là c'est catastrophe. Là, si je fais ça, on va geler. Donc on va faire juste ramasser du petit bois. Pour ceux qui savent pas aussi, quand il y a des tempêtes en fait, plus il y a de vent et plus ça va faire tomber des branches. Du coup c'est comme ça que vous avez du bois à l'infini. Il faut juste des bonnes tempêtes et après vous avez du bois par terre. Après, s'il y a une grosse branche qui est proche d'un arbre et qui pourrait nous protéger du vent, ça passe. Ça passe. Genre là, par exemple. Est-ce que le vent, il fait quoi? Il souffle vers la gauche? Ouais, là, ça peut passer. Bon, là, on a peut-être un peu froid, par contre, maintenant. Donc, on va pas le faire, mais... je vais peut-être faire ça, après. Vous voyez, là, c'est un peu le côté relou, quoi. Il faut récupérer du bois. Puis, si je coupe cette partie-là... en fait, ça va pas durer longtemps. Ça dure pas assez longtemps pour justifier de le couper. Mais ça dure assez longtemps pour un peu embêter le côté aventure, quoi. Vous voyez, c'est un peu embêtant. Tout petit peu embêtant. Ah, 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 plus de vent. C'est bon signe, ça. C'est bon signe. On peut repartir faire notre aventure, mais on a commencé notre feu, donc on va pas aller trop loin. Ah, peut-être qu'on peut aller récupérer des lapins, par contre. Tiens. Si on va pas trop loin. Ouais, on peut faire ça. On peut faire ça. Il faut faire ça aussi. Très bien. Oui, on peut faire des lapins, c'est pas loin, on a le temps de... En 2 heures, on a le temps de faire aller-retour, y a pas de problème. Non. Non, peut-être 52 minutes. Ah ouais, quand même, on a le temps, en fait. Grave le temps. Ok. Jeter. 40 minutes. Enfin, 40 minutes, ça va vite. 40 minutes, 40 minutes. 40 minutes. Très bien. Dix-huit minutes.
2 minutes, 3 minutes. Très bien. Et voilà. Très bien. Ça. 7 minutes. On va déposer l'eau. C'est un peu toujours la même chose, honnêtement, si vous regardez... Ah, tiens, j'avais des bois, tu vois, là. Il faut le mettre en haut, en fait, le bois. Si vous regardez mes survies, je fais un peu toujours la même chose. Voilà, magnifique. Très très bien. Hop là. Ça. Ah oui, il y a aussi un truc, si j'ai pas pensé, c'est le charbon. Il faut du charbon pour la forge. Alors je sais plus exactement, ça va sûrement me revenir, hein, mais je sais plus exactement où on pourrait trouver du charbon. Je crois qu'il y a des grottes qui sont pas loin, genre à Muskegmorn et tout ça, donc on peut faire une escale je vais y arriver. Hein. Dans des grottes. Et on va être honnêtement obligé. Hein. On va être obligé. Parce qu'il nous faut du charbon. En fait, il nous faut... Je sais plus exactement combien. Ça je me rappelle pas du tout, par contre. Je sais plus combien il faut de charbon pour atteindre un certain degré. Parce qu'en fait, ça marche comme ça, la forge. Il faut qu'on atteigne... je sais plus combien de degrés exactement pour pouvoir commencer à forger. Et après, on peut tout simplement maintenir le feu en temps avec, par exemple, des bouts de bois, tout simplement, des petits bouts de bois. Donc voilà. Je sais pas si j'ai le temps de monter là-haut et de redescendre sans perdre les 4 litres d'eau. Le problème, c'est qu'on est un peu fatigué aussi. C'est un peu emmerdant. Je vais aller récupérer des lapins. Là, on a un peu de bois et tout ça. Donc, ça va. On peut faire une petite pause pour le bois et récupérer du lapin à la place. Ça, c'est surtout pour les boyaux. Surtout pour les boyaux. Pas très loin, si on se bouge le cul, on peut sûrement le faire. Merde. Si on se bouge le cul, on peut le faire, mais je sais plus exactement par où on monte. Je crois que c'est pas du tout par là, en fait. Quoique... Bon, faut quand même qu'on se bouge le cul. Hein.
On n'a pas trop le temps. Je voudrais vraiment pas perdre les 4 litres d'eau. Surtout que je voudrais dessiner une fois qu'on est en haut. Ah, qu'est-ce que c'est bien de pouvoir se balader tranquille comme ça quand il fait pas froid. Oh mon dieu. Vous imaginez même pas. Genre dans 20-30 épisodes, ça on le fera plus. Ça on le fera plus du tout quoi. Tour de guet. Ça c'est fini quoi. 20-30 épisodes c'est fini. Je me suis rappelé que la porte était de ce côté cette fois. Alors, donne-moi des trucs intéressants. Pof, pof, pof. Ok, très bien. Alors, on peut dormir ici, mais c'est pas compté comme de l'extérieur. C'est compté comme de l'intérieur. Dans un sens, j'ai envie de dire, ouais, c'est logique, mais quand même, on est bien à l'extérieur. C'est pas vraiment... Pour moi, s'il n'y a pas de changement de zone, pour moi, ça reste la même zone. Mais bon, pour le jeu, non. Donc, ouais, on peut pas dormir ici. Je pensais vraiment... Enfin, je crois. Je crois que j'avais fait cette erreur une fois. Ok, là, on doit aller là-bas. Pour revenir. Ouais, c'est là-bas. C'est à ma gauche. Un peu plus vite, pas en coupant. Attends, le loup. Ah, le loup, il m'a suivi ou c'est mes pas, ça? Je crois qu'il est en haut. Ah, très bien. Alors attention quand on descend par contre. Là si on sprint on vole. Hein. Attention. Descendre en biais. Comme ça on fait pas d'à-coup. Je l'ai déjà fait une fois. Ah, je suis vite descendu. Hein. Ah, vous pouvez être certain que je suis très très vite descendu. Hein, mais bon. Ok, nickel. On va être un peu mélangé pour le moment entre le jour et la nuit. C'est pas trop grave, honnêtement. C'est pas extrêmement grave parce qu'il y a beaucoup de bâtiments. Si on fait des sorties et qu'on a le jour et la nuit inversés, c'est embêtant parce que la plupart du temps, en théorie, la nuit fait plus froid. Donc ça, c'est grave. Mais si on fait que du bâtiment, on s'en fout. Tant qu'on a de la lumière, ça va. Et nous, on a une lampe. Donc on a une lampe, on a des torches. Donc ouais, les bâtiments, on pourra se débrouiller. Je me demande ça si ça donne de la peau. Il n'y a pas de nouveau craft, ça aussi je suis triste. Enfin si, un, oui, si je dis des conneries. Il y a un craft nouveau, c'est les crampons. Mais bon, c'est déjà des objets qu'on avait à la base. Donc bon, pas très très intéressant. Moi j'aurais bien voulu des nouveaux vêtements et tout ça. En fait, j'ai l'impression que pour ceux qui jouent en intrus... C'est pas vraiment fun en fait. Les mises à jour comme ça où il y a des nouvelles choses. Parce que, genre, on peut pas avoir de. On peut pas avoir de. Comment ça s'appelle ? D'armes à feu et tout ça. Donc, dès que tu rajoutes. Je sais pas, ils peuvent rajouter un lance-roquette. Bah, du coup, moi je vais être triste parce que le lance-roquette, on le trouvera jamais. Vous voyez, parce que je joue que en intrus, sinon c'est pas marrant. Non, c'est pas très marrant pour moi en fait. C'est pas.
J'ai tellement d'expérience maintenant dans le jeu en un truc, vous jouez en... En dessous de ça, En fait, vous êtes submergé d'objets, c'est un truc de fou, quoi. Il y a des objets partout. Pensez pas en un truc. De la nourriture partout. Vous avez même pas besoin de chasser, honnêtement. Je vais être franc, vous avez pas besoin de chasser du tout. Parce qu'il y a des objets partout, il y a de la nourriture partout. Vous avez pas besoin de crafter des objets, des vêtements. Parce que, bah, il y a des vêtements partout. Enfin voilà quoi, vous avez besoin de faire strictement rien. Pour être fou. Donc il y a tout ce côté là en fait qui est perdu dans le jeu. Alors, ça. 10, ça c'est pour. C'est pour au cas où. Voilà. Donc, ah, l'eau. C'est pour ça qu'on est lourd. L'eau. Dire qu'il n'y a même pas la customisation des bâtiments. La customisation des bâtiments, ce serait bien qu'ils mettent des nouveaux petits meubles qu'on puisse utiliser pour différents types de choses. Genre par exemple un peu comme à la Grand Dead pour ceux qui connaissent. Par exemple Grand Dead, il y a des choses pour poser des palettes, des trucs comme ça. Vous voyez, enfin des palettes pour poser des tiges pour pouvoir crafter tout ça. Bah en fait ici il faudrait plus ou moins la même chose. Genre par exemple, je sais pas, un meuble où on peut entasser énormément de bouteilles. Ça serait cool. Comme ça on n'a pas besoin de les mettre partout quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Genre ça serait vraiment vraiment bien. Ouais, ça on va le faire cuire. Des choses pour je sais pas, des râteliers d'armes, des trucs comme ça. Vous voyez, ça pourrait être vraiment cool en fait d'avoir des choses comme ça. Et moi j'ai peur que ça soit tout sauf des choses comme ça. Dans la mise à jour. J'ai peur que ça soit comme ça. Que ce soit juste des trucs bêtes. Ou alors on fait genre on met trois planches sur la porte et ça va augmenter je sais pas, genre 2 degrés le bâtiment, la chaleur du bâtiment en interne. Après je dis que c'est pas mal hein, mais bon. Je pense pas que ça va être vraiment très poussé, ou à moins, parce qu'ils ont tout le temps, ils ont pas trop d'idées, j'ai l'impression, Interland. Donc, moi j'attends des trucs vraiment cool, quoi. On a 11 minutes de feu. 11 minutes de feu, une fois un peu plus de feu. Par contre, il nous faut du bois, hein. Il faut grave du bois. Ça. Faut que je cuise le ça là, le lapin. Je crois que honnêtement pour moi la meilleure chose qu'ils écrivent dans le jeu. Ah oui, c'est vrai qu'on peut cuire ça aussi. C'est froid, donc ça veut dire qu'on peut le faire chauffer. Donc en théorie, on peut le faire cuire. Okay. Donc un peu plus long. 50 minutes. 22 minutes. La meilleure chose qui est faite, c'est la cuisinière en fait. Parce qu'avant, c'était pas comme ça de faire cuire les choses et tout ça. Là, c'est vachement bien. Depuis qu'ils ont fait ça, c'est vachement bien. Donc, ça, c'est une bonne chose. Mais après, après, il n'y a pas vraiment eu de grands changements en fait. J'ai pas l'impression qu'ils savent vraiment quoi faire. Hein. Il y a un département qu'ils ont dans le groupe qui doit laquer.
qui lack de l'idée de tout ça. C'est marrant de faire des trucs comme ça, ce soupe de tomates et tout. Ça fait des couleurs bizarres des fois. C'est pas mal. On reprend notre couteau. Faudrait que je le teste si ça n'a pas été changé par contre. Parce que là j'ai l'habitude de poser le couteau par terre. Mais faut voir si ça n'a pas été changé quand même. Peut-être que ça a été complètement amélioré. On a encore 30 minutes. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait encore de l'eau? Je sais pas trop. Genre est-ce que ça vaut le coup de faire durer encore le feu? Je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Ok, on a le temps qui se gâte, donc ça veut dire qu'on peut pas. Ah, c'est bête qu'on est vraiment fatigué un peu avant que le soleil se couche. Du coup, c'est un peu chiant. Très bien. Ah bah attendez, on a des thés à faire. On peut peut-être les faire à la limite. J'ai envie de dire. J'ai posé de l'eau ou pas? Non, j'ai toujours 4 litres. Hein. Alors, on a ça. Ça, 9 minutes. On a une heure. On peut encore s'amuser pendant une heure. C'est pour augmenter la cuisine, évidemment. Le plus vite possible. Après, j'arrêterai de tous les faire quand on aura la cuisine au maximum. Mais ça pèse lourd, en fait, de les transporter comme ça. Très bien. On peut voir un peu la cuisine. Cuisine, 3,5. 3,5, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, même. Je trouve qu'on va vite. Le pire, un truc que j'ai jamais fait par contre en survie, parce que je joue pas en dehors des vidéos du coup, c'est le poisson. La pêche au poisson. J'ai jamais fait. Jamais réussi. Enfin, non, si, j'en ai fait, pardon. Ce que je veux dire, c'est que j'ai jamais monté la compétence au maximum. C'est le niveau 5 le maximum. Jamais fait ça. Ça prend tellement de temps, c'est tellement mal fait. C'est une catastrophe. Ouais, c'est une belle catastrophe, la pêche. Alors on va aussi faire une tisane, parce que les tisanes c'est bien pour nous remettre de la vie quand on dort. Ouais, je crois que la pêche c'est le pire, parce que c'est pas rentable. Alors déjà les poissons en fait, ils sont leur poids est décuplé. Genre vous pouvez avoir des gros poissons hein, qui font plus de 1000 calories et tout ça. C'est vraiment, c'est cool sur papier. Mais en fait, c'est horrible. C'est de la merde. La merde parce que les poissons, ils font genre 4 kilos. Alors que, genre, si on prend un steak de 1 kilo de loup, je crois que c'est 800 calories pour 1 kilo. Donc, le ratio, en fait, calories-kilo, il est horrible, en fait, avec les poissons. Oups, pas fini. Voilà, très bien. Ouh, belle torche. Voilà, on va manger. Alors, 3 et 3, 6. Il nous faut encore un tout petit peu. Alors, 700. J'arrive pas à bien me reposer, en fait. 800, c'est très bien. J'arrive vraiment pas à me reposer complètement. Parce qu'à chaque fois, on se réveille et on est toujours fatigué, en fait. On n'arrive pas à remplir la barre en entier. C'est un peu un problème. Même si je fais 11 heures. On va encore jouer un peu parce que bon, là ça ferait un peu épisode un peu court. Ah. Ah ah ah.
Peut-être qu'on peut lire un message de l'ordinateur. Là. Alors, allez, dépêche. Téléchargement, journal 4, doc. Bien que les ours soient nombreux autour du lac Mystère, il reste assez rare d'en croiser. On a déjà vu un. On peut s'y attendre à cette période de l'année et voici les conclusions tirées des données que nous disposons. Okay. Des fois, on a des messages comme ça. Ils avaient rajouté ça à un moment. Ça sert à quelque chose? Non, pas vraiment, mais... Mais voilà quoi. Il y en a 71 à récupérer. Donc amusez-vous. Amusez-vous à tous les récupérer. Ça peut être un challenge, hein, mais du coup, en fait, il faut camper à des endroits pendant plusieurs jours parce que les aurores boréales, c'est pas tout le temps. Alors, du coup, on a de la journée, c'est-à-dire qu'on peut crafter des choses. Ah oui, non, mais ça, on s'en fout. Ça, c'est des chaussettes de sport, on s'en branle. Par contre, je vois rien du tout, c'est bien. Truc de secours, voilà, c'est ça que je voulais. Nickel, de l'eau. Ça aussi, on pourrait les utiliser. Je crois que c'est une tablette, un litre. Donc, à la limite, on peut. C'est vrai que ça, je les utilise jamais, honnêtement. Je les garde toujours de côté, mais ça sert un peu à rien. Ça, c'est un peu le truc inutile. En fait, le truc, c'est qu'elle pèse trop lourd. Je pense. À la limite, si c'était genre 0,05, genre un peu comme les baies là, je pense que je les utiliserais, c'est-à-dire que je les garderais sur moi. Parce que un litre, bah instantanément en fait, ça va purifier un litre d'eau instantanément. I'm so hungry. Attendez que je réfléchisse deux secondes sur ce que je veux faire. Ouais. On peut dormir encore un peu, mais j'ai sommeil. Faudrait que je mange encore. Ça va. On peut le faire. Histoire de se reposer au max. Comme ça, après, on se balade. Ouais. Ah, l'épisode va faire un peu plus long cette fois. Plus long. Très bien. Là, on est au max. Très, très bien. J'ai même trop mangé, vous voyez. J'ai un peu. J'aurais pas dû. On a ça. Ça, c'est pas lourd. On va le garder. Je vois strictement rien. Femme, arrête de vouloir bouffer. C'est pas un ogre. Ça on va le laisser, ça on va le laisser. Ça on garde, ça on garde. Vous voyez, ça c'est pas lourd, donc ça on peut le porter en fait sur nous. Genre à tout moment. Vous voyez? Mais le truc pour l'eau, non, c'est pas. C'est pas assez utile pour justifier le poids. C'est pas un truc que vous allez utiliser. Parce que honnêtement, si vous avez du temps pour faire de l'eau, honnêtement, vous avez du temps pour. Pour la bouillir, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le truc. Si vous avez du temps pour faire fondre de la neige, vous avez du temps pour la bouillir. C'est extrêmement... À moins que vous avez complètement merdé, que vous vous retrouvez en plein brouillard et tout ça, et que vous faites du feu, et que du coup, bah, y a du vent qui souffle votre feu, et vous avez... Oh mince, vous avez que le temps de... Je devrais peut-être reprendre un lit. Non, c'est... Vous avez vraiment que le temps... Je vais y arriver, hein, de faire fondre la neige. Et vous n'avez pas eu le temps de la faire bouillir. Mais bon. Ah, honnêtement, ah, vous avez bien merdé. Hein, si c'est le cas, vous avez vraiment merdé. Donc c'est rare. Même en intrus, ça m'est jamais arrivé. Ah, peut-être, allez, on va dire une fois. Allez. Mais ça m'a pas foutu dans la merde plus que ça non plus. Y a un loup là-bas. Mais par contre, voilà, si c'était 0,05, la tablette par exemple, ça va, il n'y a pas de problème. Là, j'en prendrais et on irait plus vite. Mais sinon, je vais pas me faire chier. À la limite, on les utilisera, juste pour le kiff de le faire. Quand on fait de l'eau, comme ça ira plus vite. Voilà.
Mais honnêtement, c'est pas... pas vraiment quelque chose qu'on va utiliser. Alors là, on pourrait aller au barrage. On a la scie, on a la lampe. On a du feu, on a de la torche. On n'est pas 23 kilos, ça va. On n'est pas fatigué. Vous savez quoi? On va faire le tour du lac pour faire les bâtiments. Puis après, on va passer par là-bas en face. Là, et on va aller vers le barrage. Bon, par contre, on va faire ligne droite. On va peut-être avoir un peu froid. Mais ouais, il y a deux loups. Ouais, le problème, c'est ça. C'est qu'il y a deux loups, en fait. Trois loups, mais merde! Ah, je sais pas si j'en ai parlé sur Steam. Ah, mon dieu, il y a du vent maintenant. Sur Steam, une personne a parlé dans les forums. Le mec, il était là. Excusez-moi, est-ce que c'est normal d'avoir 15 loups au même endroit? Donc, ouais. Ah, il y a un ours en face. Il y a un ours. Donc ouais. Jesus, it's cold. On a un ours. Je sais pas. On va essayer de se débrouiller. On verra. On va essayer de se débrouiller. Donc ça va faire deux ours. Pêche, yes. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est lire des livres pour la pêche, puis après pêcher. Mais bon, vu que c'est aléatoire de trouver des livres, c'est un peu un problème. On peut aller là, puis après on va là-bas. On a un loup là. Oh là là. C'est vrai qu'il y en a beaucoup des loups, hein. Honnêtement, Oh, message. Ah, c'est un backer, ok. C'est parce que le jeu avant il était fondé en fait. Crowd fondé. Donc on s'en fout le message, c'est pas important. Enfin on s'en fout. Je dis pas ça méchamment. Hein. Mais c'est que c'est pas important pour nous. Et il y a strictement rien. Aïe aïe aïe. Strictement rien. Non, intéressant. Ah. Est-ce que je peux... Non, pas vraiment. Ah, j'ai pas posé les chaussettes. On a de la nourriture et de l'eau. À la limite, on peut aller dormir au barrage, je dirais. Ça, il est encore loin, l'ours. On peut potentiellement aller dormir au barrage. Je crois. On peut passer une nuit. On a assez. Il nous faut à peu près 700 calories, je dirais. Pour être bien pour la nuit. Il va nous faire chier sûrement, si on est un peu proche.
Roi, roi. Voilà. Roi, roi. Comme ça qu'ils font les ours. Pied sûr au cas où si vous ne l'aviez pas remarqué. Ça aussi, pied sûr, c'est pas nouveau. Hein, parce qu'il y a des. On avait déjà. Attends. On avait déjà les crampons à l'époque. Mais je suis sûr que ça faisait pas ça hein, quand on rentrait dans les bâtiments. Je suis sûr que ça s'affichait pas tout le temps. Bon, bref. Ils ont appris avec Todd Howard. Il y a strictement rien. C'est ouf, quoi. Putain, c'est nul. Nul de chez nul. Nul de chez nul. Est-ce qu'on a encore un tissu, vite fait? Pas vraiment. Pas vraiment. On va pas casser de chaise. Enfin, pas de chaise, mais ah, peut-être ça. C'est 15 minutes. Juste pour se réchauffer, en fait. Ok, très bien. Let's go. On va essayer le dernier bâtiment, puis après on essaye d'aller vers le barrage. Il est où? Ok. On est bon. Disparition! Plus la lance. Ouais, un cadavre là-bas, ou alors une carcasse. Alors je sais pas par où on peut passer. Je sais pas si on peut passer par là en fait. Monter et tout ça. Je crois que c'est trop pentu. Hein. Je pense pas qu'on puisse, mais on peut tester. Oh nickel! Ouh! Oh, bah il est là l'ours. Il vient d'où? Hein. On n'est pas passé à côté. Ok. Bon, ça c'était pas mal là par contre. J'ai deux objets extrêmement utiles dans le kit de couture, puis. Oh, cadavre. Puis la pierre à aiguiser, nickel. On va se bouger parce qu'il fait froid. Ah non, je peux pas. Hein. T'es sérieux? Faut vraiment que tu passes par là? T'aurais pas pu rester par là-bas cette fois? Putain, tu te fous de moi quoi. Et là, on pourrait passer, je crois. Ah là là, le gros foutage de gueule. C'est la grotte ça? Ouais, y a quelque chose? Non, on peut toujours rien faire avec les os. Ça aussi, les os, il y en a toujours en fait dans les endroits où il y a des ours. Donc pour moi, j'aurais bien voulu qu'ils aient une idée de faire quelque chose. Genre, je sais pas, genre des flèches en os avec des pointes en os. Je sais pas. Ou alors un couteau en os, à la limite. Vous voyez, plus de craft, plus de choses, en fait. Plus d'alternatives, à la limite, j'ai envie de dire. Ouais, j'avoue que là, tu me fais complètement chier, la l'ours. Là, tu fais tout pour me gaver. Qui va exactement où je veux aller, c'est très très chiant. On dirait que le machin il m'entend. Ah, ça va vite me saouler. Ça va vite me saouler parce que je voudrais arriver au barrage et mettre fin à l'épisode. Et après, là il va faire plus d'une heure l'épisode. Il est où ce con? Il est là.
On doit esquiver aussi les loups. Hein. On doit esquiver les loups, on doit esquiver l'ours. Ça fait beaucoup quand même. Je sais pas si je peux monter là-dessus. Comme ça, la prochaine fois, on fait barrage, en fait. Puis aussi, on a des massettes, au pire. Yes. Dis-moi que c'est bon. Ça fait un peu raide. Ça fait un peu raide. Mais on est un magicien! Nickel. Comme ça, on passe les loups. Pas trop sur le côté gauche, mais ils sont sur le côté gauche. Ouais, parce qu'on a aussi les massettes, hein, parce que je compte pas les massettes à chaque fois. Ah merde, on est dans cette direction, ça fait chier ça. Là il y a des lapins normalement, il peut avoir des bois, mais il peut avoir aussi les loups en fait. Donc on va rester sur la petite dune là qu'on est, et voir s'ils y sont pas. C'est vrai que maintenant je fais un peu plus attention aux loups. Honnêtement, avant, s'il nous aggro, il nous aggro, puis on marche. Ouais, vous voyez, il y en a un là. Okay, là, on a une petite pierre. Vous la touchez, ça porte bonheur. Mais là, on va pas le faire, parce que nous, on n'a pas besoin de chance. C'est nous qui créons notre propre chance. Et surtout que ça se rapproche du loup, donc on va pas y aller. Il y a des corbeaux un peu partout, donc il y a sûrement des carcasses qui traînent. Okay. C'est pas l'idéal, mais... Quoique, attendez, on peut peut-être passer par là. Faut pas se bloquer non plus. Ça devrait aller. Yes, nickel, nickel, nickel. Attention, descend en biais pour pas tomber. Il y a des lapins. Nickel. Alors là, on a un cerf. Donc ça nous ferait déjà une peau. Et un peu de viande, ça serait intéressant. Mais le problème, c'est que j'ai froid. Après, elle doit être gelée aussi. Il faudrait des outils. Mais nous, on en a des outils, parce qu'on est, magnifique. On a des outils, il faudrait juste tenir en fait le temps de la découpe quoi. La question c'est est-ce qu'on peut faire ça? J'ai envie de dire on peut sûrement. Ah, attendez déjà. Non, combien de bois on a? Wow, ouais, super. Ouais, allez, on va le faire. Ne dis pas que c'est un loup. Là. Ça bouge ou pas, là? Non, hein? Non. Mais si vous avez des problèmes, parce que la carcasse, là, elle est gelée. Donc, en théorie, vous pouvez pas travailler dessus. Donc, il faut la dégeler. Donc, du coup, vous faites un feu à côté. Vous boostez le feu. Hop, c'est bon. Ça passe. Oh, yeah. Ça passe. Le truc qu'on va faire, c'est... Ça... 7 minutes... Ça... Comme ça, on aura un steak aussi en même temps.
pas regarder si le feu était suffisant. Si, ça va. Minutes, parfait. Vous voyez, il y a 80% de gel. Donc vous restez une heure à côté, normalement c'est bon. Après, dans 5 minutes. Alors, est-ce qu'on prend les boyaux? Ouais, les boyaux, ça coûte, c'est pas long. Ah, le feu, il va peut-être s'éteindre. J'aurais bien voulu faire un autre... Il y a des braises. On peut faire ça, relancer le truc. On peut faire ça. On va prendre une torche. Parce que je pensais qu'on allait avoir plus froid que ça. Mais en fait, pas du tout. Donc ça va. Ben voilà, ça c'est nickel. Vous voyez, ça, des choses comme ça, on peut pas les faire en théorie, en intrus. Hein. Quand vous arrivez à plusieurs jours, enfin plusieurs semaines même. Oh, vous avez vu la flamme, elle est vert un peu, verdâtre. Vous avez vu? Bizarre, non? C'était pas comme ça avant, si? Je sais pas, c'est chelou, non? Bizarre. Alors, j'ai peut-être jamais fait attention. Mais ouais, quand vous êtes à plusieurs semaines, plusieurs mois de survie, jamais vous faites ça. Hein. C'est quoi? C'est une biche? Putain, j'ai cru que c'était un loup. Plus jamais vous faites ça, parce qu'il fait trop froid, en fait, à l'extérieur. Il y a beaucoup de vent, il y a souvent du vent, en fait. Donc là, on en profite. Mais là, c'est bien, là. Là, on a deux boyaux, du coup, et on a la peau, surtout. Après, la viande, bon, c'est bien, mais c'est gadget, en fait. C'est surtout la peau et les boyaux qu'il nous faut. Il nous faut peut-être, je crois, deux peaux pour un pantalon, potentiellement. Genre juste deux, peut-être. Donc du coup, c'est bien. C'est bête qu'on n'ait pas récupéré... C'était quoi qui traînait? Ah, c'était une carcasse aussi, Hamilton. On avait une carcasse, mais on n'a pas pu la récupérer à temps. Faire gaffe, il y a peut-être des loups qui traînent, donc on va peut-être se mettre à l'abri direct. Ok. Et ben voilà. On va s'arrêter là, parce que là, il y a les lits. Oui, là, il y a un lit, là. Je sais pas si dans l'autre bungalow, il y a des lits ou pas. Je sais pas. Voilà, nickel. On va éteindre ça. On peut dormir ici. On va mettre fin à notre épisode. Je vais sortir et re-rentrer pour sauvegarder. Mais on va mettre fin à notre épisode ici. On avance vite, en fait. Honnêtement, ça me fait plaisir. C'est vrai que, bon, de connaître le jeu par cœur aussi, ça aide. Mais on avance vite. On avance très vite. Je suis assez content. Là aussi, on peut faire plein de... Ouh, fabrication. Fabrication de munitions. Là aussi, en fait, c'est vrai que ça, c'est peut-être le meilleur moyen, en fait, de faire du métal. Là, il y a plein de trucs à couper. Oh, c'est bien ça. Il y a vraiment plein de choses à couper. Donc, j'avoue que... Ouais. J'avoue. On va s'arrêter là, comme ça, on enchaîne directement sur l'autre épisode après. Et on ira, donc... On continue à faire les petits... ce qui nous reste, là. Et après, on va au barrage. Et on fait tout le barrage. Alors, normalement, si je dis... Je fais pas de conneries. Oui, j'ai ma lampe. Donc, on utilisera notre lampe. Sinon, on a... Attendez, parce que... De toute façon, là, on va y revenir. Donc là, ça, on s'en fout. On va faire le tri un peu. Tac. Ça aussi, 0,50, c'est trop lourd. Je trouve. Je trouve que c'est trop lourd. Pour justifier... Même moi, j'en prends une. Et honnêtement, c'est pas vraiment si utile que ça. Très bien. Je vide un peu parce que honnêtement au barrage on va être blindé. On va être blindé de conneries. Donc ouais. Par exemple la loupe qui est vraiment un instrument utile, elle est à 0,10 quoi. Bon après c'est vrai que au début c'est facile d'utiliser la loupe parce qu'il fait souvent soleil. Mais après, honnêtement, vous l'utilisez quasiment jamais. Hein. C'est un peu le truc. Et jamais, vous la sortez plus jamais. Quoi. C'est tout le temps tempête, c'est tout le temps brouillard, c'est tout le temps la merde. Ok, nickel.
Okay. Je vais ressortir et re-rentrer encore une fois pour sauvegarder. Et on est bon. Et on continuera notre truc. Là, ça va. Là, il y avait juste le côté de faire de l'eau, mais ça s'est vite fini, en fait. Ça s'est vite fait. Du coup, on est nickel. On peut repartir. On continue. On s'arrête jamais, en fait, d'avancer. Pour le moment. Ah, c'est bien. Et quand on pourra chasser, honnêtement, ça va être cool. Et c'est là qu'on chassera un peu tout et n'importe quoi. Déjà, on a des ours et tout qui traînent. On a des loups. Qu'est-ce qu'on peut faire? Faites voir ce qui est le plus important. Alors, les vêtements. Donc, les en serre. Donc, fourrure de serre, il en faut 2. Donc, on a déjà une, c'est bien. Le pantalon, c'est 3. Ouais. Les bottes, c'est 2. Donc, les bottes, on pourrait déjà les faire. Ça, c'est bien. Il faudrait... Enfin, on peut pas déjà les faire. C'est pas ce que je veux dire. Mais je... Encore une et on pourrait les faire. Après, le manteau en ours, c'est très lourd. Par contre, c'est 5 kilos. Le mieux reste... Enfin, je crois que je faisais 2 manteaux en ours, en fait, à la fin. Le manteau en loup, c'est pas très intéressant. Parce que ça protège pas des masses, je crois. Fais voir. 4 degrés, et là, c'est quoi, l'ours? C'est 6. Ouais, non, enfin, quand on est en intrus, en fait, il faut les trucs les plus chauds. Donc, ouais, c'était 2 manteaux en ours, en fait, que j'avais, moi. On a une cape en fourrure d'élan. Elle est très imperméable, je crois. Ouais, c'est la plus imperméable, je crois. De toutes. Et au final, bah, c'est celle qui a le plus de défense aussi. Elle a... Ah putain, qu'est-ce qu'il a à sauter le menu comme ça? 20, alors que l'ours, ça a 15. Mais après, de toute façon, si on a une peau d'élan, il faut faire ça. Il faut faire ça, et ça permet d'avoir 5 kilos de plus. Donc, faut faire ça absolument. Cap en fourrure d'élan. Ouais, mais on verra ce qu'on fait. Enfin, vu qu'il y a des ours qui traînent, on fera des trucs en ours, quoi. Mais ouais, on se débrouillera. Mais ça va, c'est cool, c'est ça. Honnêtement, je m'amuse, là. Je m'amuse. Enfin, c'est... Ah, c'est pas méga excitant, parce que voilà, c'est du déjà-vu pour le moment. J'attends de faire la nouvelle zone, mais je veux pas, comme j'ai dit, je veux pas rusher la nouvelle zone, parce que sinon, ça va être la merde de survivre là-bas. Puis en plus, je connais pas, donc... Quand il y a des zones que je connais pas, j'ai pas envie d'y aller les mains vides. Donc, on attendra d'être bien équipé, puis après on ira. Je regarderai par où il faut passer, et puis... avec quelle région elle est connectée déjà, et après on trouvera et on passera. Mais ouais, je suis content. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.